Nous savons que des dissidents gaulois se cachent sur ce chantier. Aussi, j'ordonne à SFX, In The Mix et à vos rangs fixes. Non, non, parce qu'en fait, ils s'appellent Astérix. Peu importe leur nom! Je leur ordonne de se rendre sur le champ, faute de quoi nous attaquerons le palais. Nous sommes ici par la volonté et en mission pour Cléopâtre. Nous ne partirons que le travail terminé, Partoutatis. C'est pas la peine de le dire si violemment, on peut discuter peut-être. On peut discuter peut-être! Nous vous massacrerons jusqu'au dernier! Voilà, j'en ai une question, hein. Jean-Claude Duss, préparez nos troupes à l'attaque. Et pas de quartier. Antivirus. Je m'appelle Antivirus, en fait. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. C'est nous qui avons réussi à pénétrer dans l'enceinte. Mais ils ont été gentils avec nous. Ils nous ont laissé ressortir sans trop nous taper dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je demande, hein, à l'amateur. Relancez l'attaque! Caius, c'est plus. Je sais pas si c'est une bonne idée d'insister. Ces Gaulois sont invincibles, ils sont gavés de potions magiques. On ferait peut-être mieux d'abandonner. Ou alors même à la limite. Je suis très déçu par votre attitude. Centurion a fait un Dreyfus. Antivirus. Je m'appelle Antivirus. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Non mais il m'a super mal à la gorge. Beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme. Feu à volonté, massacrez-moi ce palais! Prêt? Prêt! Quand je baisse le bras. T'envoies. Ah ouais, fastoche. Mon palais est devenu un champ de ruines! Allez-y, les Romains! Tirez sur nous si vous êtes des hommes! On s'en fout de toute manière! Ah! Raté, vous nous avez raté! Hé, les Romains, vous êtes des Romains! Toujours là! Oh non. Trop loin. Je suis médusé,